Salam alaikum, je m'appelle Amine, Amine Attitude pour les intimes. J'ai 29 ans et j'habite le 93. Je suis marié, j'ai une petite fille et je vais vous raconter mon histoire, ou plutôt ma galère. J'ai tout pour être heureux. Une femme, un job, un gosse. Mais en vérité, je souffre au plus profond de moi, de plusieurs addictions qui me rendent malheureux. Le bonheur, on le cherche tous, mais hélas, on se fait souvent avoir par des plaisirs éphémères, ces plaisirs focaux et instantanés qui nous plongent dans un malheur global. À chaque fois que je fais une connerie, je ressens certes un plaisir sur le coup, mais juste après, un sentiment de honte m'envahit. C'est ça le malheur global auquel je fais allusion. Pour être heureux, on doit s'écarter de ces satanés vices qui contiennent des plaisirs passagers. Je l'ai compris aujourd'hui, mais hélas, bien trop tard. Ceci est mon histoire. Je rentre du boulot comme à mon habitude, scénario classique pour un parigo. J'ai un problème avec les paris sportifs dans le sens où je n'arrive pas à me défaire de ce vice, au point où j'ai failli briser ma famille. Je suis tel un sachet troué, je ne vois pas où part mon argent, et je n'arrive pas à rester stable dans un job, comme si je recherchais à chaque fois le conflit qui va justifier ma démission. Que cela soit de mon côté ou celui de mon employeur, profil atypique, me direz-vous? Je ne le pense pas. On est beaucoup à se reconnaître dans cette instabilité qui nous prive du bonheur global. Salam, hein. Les choses sont pas payées, non? Tu fais quoi ton argent? Non, mais laisse-moi me poser, enlever mes affaires, après on va en discuter. Ça va se régler, c'est pas un problème. Non, ça fait des mois qu'ils sont pas payés les factures. Tu fais quoi de ton argent? C'est sûr, des mois. C'est vrai que je joue un peu, mais non, je paye mes factures. Premier devoir quand je joue. Non mais il faut comprendre, je vais me refaire, je vais faire passer une cote à deux, on aura 200 euros, je paierai les factures, il n'y a pas de souci. Amine, je vais divorcer. Mais c'est expéditif. Amine, je vais divorcer, c'est bon. Tu t'en vas s'il te plaît. T'es comme ça, tu me vires comme ça. Voilà, vas-y s'il te plaît. Vas-y, je prends ma boîte à tartines, je me casse. Me voilà à la rue. Mais qui n'a pas connu la SD Free à Paris? Ma femme m'a acheté, je vais zoner dans l'obscurité de la Seine-Saint-Denis ce soir. En fait, quand j'y pense, j'ai galéré pour me marier. Et j'ai toujours cru qu'avec le mariage, j'allais pouvoir connaître le bonheur. Car en parlant d'addiction, je n'avais pas que celle des paris sportifs. Mais bon, je préfère vous raconter cette autre problématique une autre fois. Du coup, je me suis marié, pensant me compléter, et au final, je n'ai fait qu'enchaîner les disputes avec ma femme. Si bien que ma vie de célibataire me fait du pied parfois.
C'est la galère. Il a fallu qu'il mène à me virer comme ça et qu'elle me laisse dormir dans ma voiture. À moins de 2 degrés. Dans l'Ardème, je sais même pas qui appeler. Je vais devoir naître ici dans ma voiture. Un peu de chauffage. Il fait froid. Comme ça va se réchauffer. Allez, Geeknas. Faut que tu répondes, mon pote. J'ai vraiment besoin de toi. Allo Geeknas. Ouais. Ça va ou quoi? Alhamdoulilah, toi? Ouais, alhamdoulilah. Excuse-moi de te déranger à cette heure-ci. Ouais, bah c'est lourd. Non, mais dis-moi. Tu me dis-moi. En fait, je suis en galère, frère. C'est pas dis-moi, c'est j'ai besoin de toi, frère. Encore? Comment ça encore? On dirait que c'est tous les jours que je t'appelle. Non, non, mais là, c'est. Je suis à la rue. Je suis à la rue, mec. Il mène, elle m'a dégagé. Elle m'a dit que j'ai pas payé les factures, tout ça. Elle patiente pas, tu la connais, elle se met vite en colère. Ah, elle se met vite en colère, mais toi aussi, on va dire que t'es pas de foutre de la merde, hein. Vas-y, dis-moi, que t'as besoin d'un bras droit. Ah, j'ai besoin de trouver un foyer ou dormir. Pas me retrouver là, devant Carrefour, comme un SDF. Ah, franchement, frère, j'aurais bien aimé, mais c'est chaud, là. Je pense à toute la famille ce soir. Toi, y a toujours du monde chez toi. Y a toujours du monde chez toi. Y en a pas un que je vais trouver ce soir. Fais-moi de la place avec le lit du bébé. On dormira l'un à côté de l'autre, ça ira. Franchement, sérieusement, ça va être compliqué, c'est ça. Vas-y, Mahalish. J'aurais bien aimé, mais franchement, ça va être dur. Pas de soucis. Mahalish, Mahalish. Salut. C'est tout ce que vous savez dire. Là, ça va, cool. C'est ça, les frères. Allah ya'aounik. Aide-moi et Allah ya'aounik. Ne laisse pas en galère comme ça. De toute façon, il ne reste plus qu'à dormir. Ça va passer après tout une nuit. Oh, c'est qui encore? Qui me donne? C'est vrai qu'on. J'ai pas de pièces, les gars, j'ai pas de carreaux, j'ai rien. Non, t'inquiète, mais t'es en galère ou quoi? Ah, vite fait, hein, je dors dans la voiture. Ah, ça arrive. Hein. Je connais le quartier, c'est la première fois que je te vois, c'est ce qui t'arrive. Non, j'ai pas l'habitude, c'est exceptionnel. Ah ouais? Ouais, non, ça va aller, les gars. T'as faim un peu? Tranquille. Oh, ça va, franchement. J'ai un cutré, vas-y, vas-y, viens. Non, mais c'est. Ah vas-y, viens, frère, je tire. Ça va te réchauffer. Là, va, on mange un petit truc. Vas-y, ça me fera pas de mal. Merci, les frères, merci. Voilà, de là, il ça marche. Ça va plus ce qui s'est passé, c'est ouais, c'est. Madame, elle m'a mis à la rue, mais c'est pas. Ça arrive, c'est les disputes de couple. Tu vois. Non, ça va se régler. Juste une histoire de facture, d'impayé, mais tu connais, hein. Certaines femmes, elles sont pas patientes. Ah, c'est ça, faut pas souffrir. Ah, je suis patiente, hein. Je reste dans la voiture et je suis patiente. Comme il dit, ouais, parce qu'on est à la main, même à la seule nuit, ça va, tu vois. On a une facilité, une difficulté, une facilité. Ouais, c'est pas mal. En plus, là, j'ai appelé un pote, il n'y avait pas moyen de m'aider et Dieu, il vous envoie à moi. Donc, moi, ça fait plaisir toujours de voir des frères. Ouais, merci. En fait, les gars, là, vous avez toqué dans ma voiture. Vous faites des maraudes, c'est quoi? Vous êtes jamais à tablir, c'est... Non, en fait, nous, on est une association, en fait, où on aide les orphelins syriens. D'accord. Comme tu sais, en fait, ils subissent une guerre injuste, tu vois. Et la moindre des choses, c'est de venir un peu les aider, de leur faire oublier leur quotidien horrible. Tu vois, t'apprendre quelque chose. Tu sais qu'un euro, c'est environ à peu près 1000. Et comme tu as pu constater, le menu c'est 7 euros. Donc 7 euros est égal à 7 000. Là, regarde, tu as 3 menus. 3 menus, ça fait 21 000. 21 000, ça permet à un orphelin syrien de consommer pour environ un mois et demi ou deux mois. Franchement, entre nous, si
attention, se priver de nourriture ne serait-ce qu'une nuit. Ça permettra à quelqu'un de consommer pour deux mois. Ah, t'as raison. Ouais. Ah ouais, par rapport à mes problèmes, c'est rien du tout. Vas-y, il faut arrêter. Ce fut un plaisir. Merci les frères. C'est un plaisir, c'est gentil. Vous m'avez réchauffé le cœur et le ventre. On passe nous voir, Inch'Allah. Nous, on est aux 4 Amis à de France avec les soldats. On vient toute la semaine, à toutes les heures. Ah, vous aussi, hein. Tu fais quoi là? Tu peux prendre la voiture, hein? Ouais, je vais essayer de dormir un peu. Pense à la maison, si tu veux. Vas-y, passe. Non, j'ai beaucoup profité, j'ai déjà mangé un sandwich. Jamais, t'inquiète, j'ai ma poste. C'est gentiment. Au final, tout est rentré dans l'ordre, mais pour combien de temps? Quand on ne traite pas un problème à sa source, on ne risque pas de le résoudre définitivement. Et détrompez-vous, la variété des symptômes ne signifie pas que les problèmes sont multiples. Souvent, il est unique, mais prend plusieurs formes. Se marier, c'est facile. Enfin, pas pour tout le monde, car effectivement, le nombre de célibataires est affolant. Mais ce que je voulais dire, c'est que le plus important, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous l'avez sans doute remarqué, l'association Hayat lance sa campagne hivernale en faveur des veuves et des orphelins de Syrie. Et à travers ce court-métrage, l'objectif était de vous inciter à relativiser. Effectivement, vous êtes nombreux et nombreuses à vous être posé la question de savoir quel était le point commun entre une banale dispute de couple et ce que peuvent vivre nos frères et nos sœurs en termes de souffrance là-bas dans un pays en guerre. En réalité, le point commun, c'est la souffrance, car à mon sens, la souffrance ne doit pas être amoindrie, ni déconsidérée. Et ce, quelle que soit sa nature, on peut souffrir énormément d'une rupture, d'une trahison, d'une déception, autant qu'on peut souffrir de la perte d'un être cher. Effectivement, vous avez des gens dans un pays en guerre qui peuvent perdre des membres de leur famille et se relever le lendemain avec courage et fierté. Tandis que dans un pays stable, vous avez des gens qui peuvent s'engouffrer dans la dépression toute une vie des conséquences de la perte d'un être cher. La souffrance est relative. Et vous avez des gens qui peuvent souffrir plus dans un pays stable que dans un pays en guerre, car ils ne se forgent pas justement une carapace, ils ne s'adaptent pas au contexte. C'est pourquoi la souffrance, dans son fond, est identique pour tous les êtres humains. C'est uniquement dans sa forme qu'elle peut changer, à travers le contexte de sa provocation. C'est pourquoi, à travers ce court-métrage, l'objectif était de mettre en évidence le fait qu'on peut souffrir, mais qu'il y a des gens qui peuvent souffrir plus que nous, afin que l'on puisse relativiser. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, a dit dans une tradition que rapporte l'imam muslim, « Unzuru illa man huwa asfala minkum, wala tanzuru illa man huwa fawqakum. » Regardez celui qui est en bas de vous, celui qui souffre plus que vous, et ne regardez pas celui qui a plus de bienfaits que vous, qui souffre moins que vous, afin que vous ne puissiez pas minimiser les bienfaits d'Allah à votre égard. Effectivement, relativiser est fondamental. D'ailleurs, le croyant doit relativiser à travers l'œil de la foi. On peut relativiser en regardant d'autres endroits sur la planète, comme on peut relativiser à travers l'œil du cœur. L'objectif aussi de ce court-métrage, c'était de retracer la vie classique d'un musulman en Île-de-France, enchaîné par des vices et des péchés qui le privent du bonheur global. Car en réalité, un croyant, quand il commet un péché, il le commet toujours par convoitise d'un plaisir éphémère, derrière lequel se trouve la honte. Puisque s'il a la foi, les conséquences de ce péché-là, il va subir une angoisse consécutive de l'opposition entre le malheur global et le plaisir instantané. À chaque fois qu'un croyant commet un péché, des conséquences de la convoitise d'un plaisir instantané, en réalité, il s'éloigne de son objectif global. Et c'est pourquoi il y a un malheur à poursuivre
des plaisirs éphémères et instantanés. Le malheur de ne pas pouvoir concrétiser des projets grandioses. En réalité, dans le croyant, il y a une énergie incommensurable, mais malheureusement, on passe à côté. Le but, c'est de relativiser notre souffrance, mais aussi de relativiser nos plaisirs et nos peines, afin que l'on ne soit pas enchaîné par des péchés et des vices si on n'arrive pas à concrétiser nos projets. Parce que moi, je suis persuadé que le musulman possède en lui une énergie incommensurable. Malheureusement, cette énergie-là est gaspillée. Posez-vous la question. Avez-vous été productif dans votre journée composée de 24 heures? Qu'est-ce que vous avez fait pour le din? Qu'est-ce que vous avez fait pour la umma? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces ventres qui crient famine? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez avancé dans un projet? Non. Pour beaucoup d'entre nous, la journée d'hier ressemble à la journée d'aujourd'hui et ressemblera à la journée de demain. On n'avance pas pour l'au-delà. Par contre, pour le bas-monde, on peut avancer, on peut faire des efforts et on peut se structurer. Ceci est un témoin de la faiblesse de notre foi. Wallahi, normalement, on devrait être gouverné par nos convictions. Notre prophète alayhi salatu wa salam a dit « Afdalul a'mal itraq as-surur ala al-mu'min » La meilleure des œuvres, c'est d'introduire la joie dans le cœur d'un croyant. Et quelle belle action que celle d'introduire la joie dans le cœur d'un croyant qui plus est orphelin. L'objectif de ce court-métrage était de nous inciter à relativiser. Autant nos souffrances, on peut manger un menu, un chicken, pour 7 euros. Et saviez-vous qu'avec 7 euros, une personne là-bas au Chem peut tenir 3 à 4 semaines de repas? On peut se priver, ne serait-ce qu'un repas, et permettre à des croyants qui plus est peuvent être orphelins de vivre dignement là-bas. On peut faire des choses, à la condition qu'on s'unit, à la condition qu'on relativise, autant dans nos souffrances que dans nos plaisirs, parce que ce qui nous empêche de concrétiser nos projets, wallahi, c'est nos péchés. C'est nos péchés. À force de faire des péchés, Allah nous éloigne de nos objectifs, de la réalisation de nos objectifs, et nous prive de la baraka. Si à travers ce court-métrage, on a réussi à vous transmettre le principe de relativiser autant nos souffrances que nos plaisirs et nos peines à travers l'œil du cœur, alors on aura gagné. N'hésitez pas à nous soutenir afin que l'on puisse continuer à œuvrer pour introduire la joie dans ces foyers où se trouvent les orphelins. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeah, absolutely.